suis posé. Tu as mis le petit écran sur un trépied, si c'est pas ton gros PC. Allez, je te laisse encore un petit instant pour le faire. Oui, tu es bien dans The Big Game of Ski. Et aujourd'hui, on va s'occuper de toi. Ah, aujourd'hui, je pense qu'on va surtout s'occuper de moi. Parce qu'il est temps d'arriver le moment tant redouté. Vous savez que parmi les shmups, j'ai mes titres qui sont mes bêtes noires. Alors, ceux qui suivent parmi vous savent très bien que... Bah déjà, il y a un premier truc que j'apprécie moins bien dans un petit jeu de boulettes, c'est l'orientation écran. Quand c'est vertical, pour moi, je trouve que ça va très bien. Et quand c'est horizontal, je commence à paniquer un peu. Surtout si le relief prend son importance dans l'aventure et que je me retrouve comme un con à ne pas avoir la connaissance par cœur nécessaire pour avancer dans ces damnés niveaux. Ça vient d'un certain traumatisme d'enfance que j'ai déjà évoqué pour certains titres, et vous serez obligé de farfouiller dans la liste des shmups pour ça. Mais c'est mineur, c'est vraiment mineur. Parmi ces jeux, calmez-vous derrière les gars. Et oui, Maurice a découvert le bon tant pis, là il est éclaté dessus quoi. Arrête avec l'arpégiateur, c'est pas drôle. Non, non, David Feta fait déjà ça. Et oui, tout le monde l'a déjà fait, même les Simpsons. Et donc, bah, dans ces titres, vous aurez remarqué de grands absents parmi les grandes références. Si vous regardez la liste des quelques 300 shmups qui doivent être disponibles au moment où vous regardez ça. Et donc, bah oui, et les Gradius, vous avez vu, il n'y en a qu'un qui est dispo et c'est le troisième. Bah, je le dis direct, je n'ai toujours pas diffusé à cette heure-là, mais il est enregistré, le Gradius 2. Et donc, je finis en beauté les enregistrements avec le Gradius 1 en dernier. Il faut savoir que Gradius est une licence à laquelle je n'ai jamais, au grand jamais, accroché. Pourquoi ? Bah parce que je trouve sa jouabilité un petit peu raide et beaucoup, beaucoup, beaucoup basée sur le parkour, hélas. Je suis désolé pour les gens qui sont fans du titre, mais ça s'appelle une réalité. Pour affronter cette réalité, on va déjà affronter son fly, qui est quand même magnifique à l'époque. Regardez-moi ça, Gradius 2. Et puis on va affronter donc ce deuxième volume qui s'appelle Vulcan Ventures. Allez, du calme les New Wave là. Du courage, il va te falloir, petit Padawan. Du courage, oh oui. Est-ce que tu as ton stream qui merde au début? Même pas, mais tu as légèrement oublié d'enlever un petit détail de taille. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'ai des toilettes. Cette manie des alertes de téléphone quand tu fais des streams, c'est tout à fait rigolo. Konami Vulcan Venture, 1988. Oui, oui, oui. Et derrière ce nom se cache bien le Gradius 2 lui-même. Faut quand même savoir que 88 a été une période super productive niveau développement de jeux vidéo, et en particulier les shmups, puisque les éditeurs avaient tout pigé et ils se disaient, on peut faire coup double. On fait un hit d'arcade. Les gars, maintenant, ils commencent à avoir des babasses chez eux. Ils ont des petits ordinateurs 8-16 bits, 16-32 bits. Ils ont des consoles aussi qui commencent à suivre. Donc, si on arrive à les convaincre que le jeu d'arcade est génial, une fois rentrés à la maison, ils vont vouloir insérer ça dans leur machine. Donc, c'était du gagnant-gagnant, mais pour les mêmes personnes. C'est-à-dire, celui qui gagne au début, gagne aussi en deuxième. Non, ils n'étaient pas deux. Faut pas rêver. Bah, c'est ça, l'économie. Faire croire qu'on partage pour mieux régner. Mais je m'égare, oui, je m'égare. Mais j'aime bien m'égarer. Ça me fait rigoler. Donc on reprend le principe bien connu. Ben non, c'est la première fois qu'on le voit, c'est le premier Gradius, sans douille. Non, c'est le deuxième, ne te mélange pas les pinceaux. Donc on reprend bien le principe bien connu du Gradius. Et je vais me faire défoncer dans ce jeu, je sens. Parce que je vois pas pourquoi un Gradius m'aimerait plus maintenant qu'avant. Le Gradius ne m'a jamais aimé. Je ne l'aime pas. D'ailleurs, ça se voit. Hein. 7 secondes de stream. Et c'est vraiment du positionnement à la con. Hein. Je suis désolé. Moi, je ne cautionne pas ces trucs-là. Oh, putain, t'as trop speedé, mon gars. Ah, mais ils sont envahissants, ces envahisseurs. Alors là, vous commencez à ouvrir grand les yeux et vous dire « Monsieur K, Monsieur K, tu crois que tu vas arriver à nous faire voir le premier boss ?» Et là, je répondrai tout simplement « Oui !» Juste, ne me parle pas en même temps. Bon, mon cus, le bonus.
Non, ça va. C'est pas passé loin. Je sais pas si c'était très smart ça. Non, le speed, y a pas besoin. Non, y a pas besoin. Oh, ça va être génial. Ça va être génial. Je sens que ça va être super génial. Dessus, dessous, dessous, hein. Courageusement, fuyons. Tel le. Dis-moi pas que ça, tu peux l'anticiper si t'as jamais fait le jeu, quoi. C'est pour ça que je suis très ennemi avec les fans de Gradius. C'est pas possible. Et on n'a pas fait un cinquième du premier niveau, quoi. Donc, Gradius. Comment je prends sur moi de respecter tes fans et de te mettre dans les sélectionnés? Mais très franchement, je me torche sur ton nom et ta descendance, quoi. Alors oui, c'est sympa d'avoir des niveaux qui donnent l'impression d'être, entre guillemets, ouverts, on va dire. Mais ne le sont pas réellement. On va rester bien au milieu, comme ça tout le monde nous voit, hein, et tout le monde est content. Et puis tout le monde peut choisir comment nous tuer. Tu arrêtes de me suivre, toi. Hein. C'est pas possible, ça. C'était vraiment pas le bon tir à prendre ici, jeune homme. Je me casse, vous n'avez aucun humour. Oui, moi, quand les gens n'ont pas d'humour, je me barre. Hein. Vous avez vu, c'est ma technique à moi. Je vais passer là, hein. Je sais pas pourquoi. Je crois naïvement que ça se passera mieux pour moi. Et vous connaissez ma naïveté légendaire. Ah, ne monte pas, surtout ne monte pas. Regardez-moi ça comme je le feinte. Et lui, il va me suivre tel le morpion de base. Et vas-y, que je te passe à travers les planètes, les décors, c'est pas pour moi. C'est que pour ta gueule à toi. Ok. Bah dis donc, avec tous ces bonus que j'ai récupérés en route, je pense que je vais faire un truc de ouf là. Bah, des rétros, jeu du démon. Comment j'esquive tous les bonus, c'est incroyable. Non, ne me repais. Non, non, non. Non. On va jamais voir de boss. Ce n'est pas possible. Ce n'était pas dans les probabilités d'aujourd'hui. Oui, bah, il sert à rien ton wipe, mon gars. Oui, alors je rappelle pour les gens comme moi qui ne s'en rappelaient plus d'ailleurs, et je ne m'en rappelais plus d'ailleurs non plus, que les pilules bleues, c'est pas des bonus pour l'armement, c'est des wipes. Ça nettoie tout ce qu'il y a sur l'écran de manière efficace et inexorable. Il y a le boss qui arrive, j'aime bien. Pourquoi ces bonus ne veulent pas se jeter de leur plein gré sur moi? Oh purée, mais pourquoi? Et là ça va faire piou piou piou, et là ça va faire piou 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 piou, et là ça va faire piou 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 piou. Connard galactique. Le pire c'est qu'on doit venir de loin avec tes sales intentions, quoi. Je veux les missiles puisque c'est comme ça. Je bougerai très très doucement, mais je vais t'anticiper 15 heures avant. Non, 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 non. Gradius 2 ne sera pas sélectionné. Je suis désolé. Il ne sera pas dans les top jeux. Il ne sera même pas dans les sélections. Le premier était bien mieux en comparé, puis au moins on comprenait pourquoi c'était compliqué. Le troisième est vachement bien. Et je faillote pas, hein. C'est pas parce que je n'aime pas et que je respecte son audience. C'est juste parce que le troisième est, à mon avis, le plus accessible des trois. Et le premier, bah, lui était là en premier, donc il avait la classe d'apporter ce gameplay avec l'armement évolutif. Le deuxième, il est purement dispensable. Et comme je vous ai dit, c'était cette période où on développait beaucoup, 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 parce qu'on savait que si on vendait un titre qui tournait bien en arcade, on pouvait cartonner derrière pour les ventes de ces petites cartouches miraculeuses qu'on insérait dans des consoles de jeux, disait-on à l'époque.
Je vous laisse avec les deux streams habituels et je vous donne rendez-vous demain à 19h. Ciao, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Bye.